Bienvenue pour ce deuxième 6 conseils. Le produit phare du jour est la volaille fermière label rouge d'Anceny, avec un minimum de 81 jours d'élevage. Premier conseil de découpage de la volaille à cru. Donc pour ce premier conseil de découpage de la volaille à cru, je vous propose donc une volaille simplement coupée en 4 parties. D'un côté, vous avez les suprêmes avec les aiguillettes à l'intérieur. Et de l'autre côté, vous avez les deux cuisses accompagnées de leur solilès. Il existe une deuxième possibilité de découpage à cru de la volaille. C'est la volaille en 8 morceaux. D'un côté, vous avez les deux suprêmes qui sont coupés en deux avec l'aiguillette et le filet sur le dessus. Et la deuxième partie du suprême. De l'autre côté, vous avez le gras de cuisse et son pilon, qu'on appelle également le haut de cuisse. Pourquoi deux propositions de découpage différentes? La première découpe est une volaille en 8 morceaux, ce qui vous permet de pouvoir réaliser une recette, par exemple, comme la fricassée de volaille. Ce qui vous permettra d'alterner les morceaux, un morceau de suprême et un morceau de cuisse, et qui vous permettra également de garder une cuisson moelleuse de votre volaille. En ce qui concerne la cuisson de la deuxième technique de découpage à cru, de la volaille en 4 quarts, je vous propose une cuisson plus simple, une cuisson façon poulet rôti, huile, beurre, ail, thym, laurier, romarin par exemple. Attention à être vigilant sur la cuisson moelleuse des suprêmes et à bien faire cuire vos cuisses de volaille.